Ok. Mais sus. Ah, faut appuyer sur le bleu. Est-ce que niveau son et tout, les gars, tout est bon? Est-ce que l'équilibrage entre ma voix et le son est bon? Oh, les cinématiques, j'aime bien. J'aime bien, comme on dit dans le jargon. Hello, what are you doing in our house? Yes, yes, he's okay. Don't worry. He just seems confused. Excuse me, sir. Can you tell me your name? No. Look, man. If you won't talk, I'm calling the police. That guy! You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know. This man suddenly appeared in our house. Ils sont gavés, les développeurs, frère. Michael. Michael. What? I mean, my name. Désolé les gars, je sais que c'est beaucoup plus fun avec ce site, mais je peux pas les faire en direct les potes. J'ai tout fait à la main. Le jeu est magnifique, oui, je suis tout à fait d'accord, monsieur D'Acosta. Tout à fait. Les pères, ils sont donnés de fou. Je me demande combien ils étaient. Pour faire le jeu. C'était quoi, deux, non? Je sais plus les frérots. Michael! Bienvenue Hiroshi, le pois chiche. Bienvenue. Oh, les gars, on est déjà 11 350. Mais c'est fou, hein, frère. Ça m'en fout. C'est vrai, ce jeu, notre préféré, ouais, il est incroyable. Pour ceux qui veulent comprendre les sous-titres, les gars, vous pouvez aller voir le let's play là sur YouTube. J'ai vraiment tout sous-titré, je me suis fait chier à sous-titrer chaque dialogue. Parce que vraiment, on comprend comme dans mon cul, hein, là. Ça va, genre... L'enculé, le voisin. Tu vois, on comprend pas trop. C'est un jeu indépendant tout à fait, Noah. Tout à fait. On serait sur Twitch, mais apparemment, ça dit ouais. Apparently, man. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night, or at least while I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person, or at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was. That's for sure. Not that I was implying he was. I'd never talk to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed and I saw them. Ok, c'est là que ça commence. Merci monsieur Trash Sensei et merci monsieur Megalight pour vos prix, merci infinitely. C'est vraiment ce que l'on appelle dans le jargon la folie. Oh, doucement monsieur Trash Sensei, merci pour tes soft sucres. À monsieur, attendez, monsieur Caterlox, monsieur Jarod 25, monsieur Zigzig, monsieur Puri et Tupi 9V. Merci infiniment monsieur Trash Sensei, c'est très gentil. Merci de manière infinitely. Bonjour monsieur Kourix, jeune développeur, comment vas-tu mon fils? Bonjour monsieur Julien 890, bienvenue rue. Merci pour le train de live les tibots, c'est très gentil. Bonsoir, bonsoir Panini Bonne, bienvenue rue. Bon du coup, on est dans le premier niveau des joies de la création, bien entendu. Les joies de la création. Le premier niveau consiste, comme je l'ai dit il y a deux secondes, peut-être pour ceux qui sont éventuellement pas arrivés, hein. Il consiste... Attendez, je suis un vrai streamer, bougez pas. Ok, c'est bon. Il consiste à tout simplement survivre à la nuit dans un putain de lit de merde avec une lumière, une loupiote qui t'indique à quel point t'es con, un foxy, une chica de putain, un bonnie et un putain de Freddy à la fenêtre. Et je me souviens que c'était plutôt ce que l'on appelle dans le jargontisme une galère. Donc j'espère que cette fois-ci, ça ira. Mashallah, mashallah. Allez, mettons-nous en scène le jus. Bonjour monsieur le lieutenant Gosse, bienvenue mon fils, comment vas-tu? C'est une bonne galère, bien entendu. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on va offrir un sub, ça donne trop bien monsieur Bonifi. Oui c'est vrai, je m'en souviens, quand il y avait ton blast qui avait été listé dans les subs offerts. Merci parce que les subs, les gars, ça rend très gentil, hein. Merci infiniment. Bonjour monsieur R29-91-99, merci infiniment. Bonjour monsieur RN, bienvenue. Ok les tuyotes. Alors, press left click to interact with object, look up while sitting and hold left click to sleep. C'est vrai que putain, en fait juste je lisais pas les frérots. Press space bar to stand up or sit down. Ok. Je vous repousse de chier dans vos frocs. Hello, hello, hello.
Nick? Hey, little Nicky, it's me, Michael. Rien à foutre! And don't say anything back to me. There are monsters around that'll hear you if you do. Don't be scared, Nick, okay? Listen to me, and we can defeat those monsters. Okay, les gars! Je mets à Paul. Non, même pas. Une prédit, c'est ça? C'est une prédit, hein. Oh, je dois changer en putain d'Azerty de sa mère! One shot la nuit. Ok, je vous ai mis une prédit, les petits potes, parce que je suis un vrai streamer. He's not shy at all. He will knock on the door to let you know he's there. Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can, Nicky. He can't see you well in the dark, and he'll leave. Oh, but make sure you're sitting down when you do that. Alors, on doit... Okay, then there's the chicken. That one's a little bit weird. Check the closets often. If she's peeking through, make sure to disable the lights. She doesn't want to be seen, but ignoring her doesn't help either. If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you. Now, look, I know this is a lot to take in, little Nicky, okay? Just listen carefully and try to remember it, please. Okay. All right, last is Foxy. He'll be right beneath your bed, Nick. You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there. Be watchful if you see his hook. Freddy fermé. Le Bonnie, la mirelu dans mon cul. Comme ceci. La Chica, la mirelu dans mon cul. Mais on se... Et on la regarde un petit peu. Et... C'est ça. Foxy sees eyes as if they're big, bright spotlights. But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, so to recap, Freddy is at the window. So what? Him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock ça the door fait... and open it afterwards. Disable the lights and sit down until he leaves. Mm-hmm. Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. Ah mais il se trompe, il faut prêter tout slip parce que sinon elle me nique ma mère. Je me rappelle, si c'est ça le chat les gars, c'est ça hein. Si je fais semblant de dormir, elle va quand même m'enculer parce que le mec qui a développé le jeu il s'est trop pété. C'est pas ça ou pas? Attends les gars, je veux pas skip parce que sa voix elle est douce. Il faut prétendre dormir, on est d'accord. Oh merde, la nuit a exercé le commencement. Hello guys, what the hell is this piece of shit? Je dois exercer l'allumage, je me rappelle. Après, ce que ça sent, ah, truc de ouf les frérots. Incroyable. Moi, je désactive le compteur parce que je remarque que je trouve pas ça sain, spécialement. J'aime bien regarder de temps en temps à la fin du live, faire waouh, on a aidé tout ça. Mais je sais pas, sinon tu sais, c'est un truc, je sais pas, c'est peut-être dans la couleur, dans le ra ra ra, dans tes yeux, mais ça t'attire les yeux, c'est pas bien. Moi, j'aime bien juste faire un stream, même si on est 30. Fils de pute, ma lumière. Ah! J'ai pas le fils de pute de lumière, mais ce cueilleur, il me le faut. Les gars, je prends risque. Mais moi le raccourci, fils de pute. Merci. Je suis pas mort. J'ai besoin d'avoir ce raccourci là. Si j'ai pas le... Comment je vais faire? Holy freaking fuck. Monte pas ta tête. Je dois l'allumer. Oh, tête de bite. Max, non. Bonsoir tout le monde, commencez à va-t-il bien nous. J'ai le son trop fort dans mes putains d'oreilles. Bonjour monsieur Adonis. D'accord, je vais baisser un peu la carte son ou Schlein Bittefeld, sinon je vais me faire un ce qu'on appelle enculé. Je vais regarder la mirelu, sinon j'aurai une dent qui me pousse au cul. On tente tes cas en double. Merde. Attendez, je sais pourquoi. Bougez pas. Ouvre pas, hein! Là, normalement, c'est bon. Fils de pute, ma lumière. C'est bon? J'avais activé la deuxième source de son de lui. Genre. Fils de pute, ma lumière. Ok. Ok, parfait, merci les frérots. Rentre pas! T'es intercamp, je t'ai! Terre! Merci, c'est trop mignon, putain, on dirait ma bite! Remonte, prends pour un putain de Rambo, ouvre pas, s'il te plaît! Merci, monsieur Fux, pour le prix! Ah! Je dois prétendre tout dormir ou pas, guys? Repas! S'il te plaît, s'il te plaît, me casse pas les couilles avec ta tête de bite! Ok, c'est bon, tout va bien. D'accord.
J'ai peur. Dispose ce qu'on appelle les frayas. Bonjour monsieur Vux. Der Kampf. Premier message sur le chat. Der Kampf. Plutôt. Der Kampf. Les gars, hey, le ban de JDG c'est abusé hein. Leur grand-mère les pute à Twitch hein. Les gars, bientôt les gars. Rentre pas. Bientôt les gars, ça va être ce que l'on appelle le J-Word. Donc si Twitch vous m'écoutez là, actuellement, le J-Word me pète les couilles, d'accord? Parce qu'avoir un balai dans le cul et faire semblant d'être poli, ça ne fait pas de nous des gens polis. C'est-à-dire que Roman Polanski, quand il serre la main à des gens, il paraît très poli, mais il a enculé une gamine de 13 ans. Alors arrêtez de faire semblant. Je dis bien de... Merde. Je dis bien arrêtez de faire semblant d'être l'intégration de la bien-pensance et du bien-être. D'accord? Merci beaucoup. Fils d'enculé de ta putain de daronne que j'encule! 2, 3, 4, 5, 1. Ta gueule! Voilà, donc maintenant, tous les si vous voulez me ban, me mettre 15 jours parce que j'ai dit ce que je pensais, n'hésitez pas. Y'a aucun problème, je ne dépends pas que de vous, je gagne ma vie avec d'autres plateformes que vous, vous représentez environ 15% de mes revenus. Donc n'hésitez pas à me ban si vous le souhaitez, y'a pas de problème, j'irai stream sur Kick, y'a pas de problème les frérots. Voilà, et ceux qui veulent le clip et l'envoyer à Twitch, vous pouvez, les petits potes. Y'a aucun problème, frère. Mais faut arrêter ce truc de la bien-pensance de fils de pute, en mode « Oh mais nous, on était tant bien, hein. Tu dis Z-Word, on te banne, hein. Par contre, tu écartes ta sainte en stream, ah bon, on te met 48 heures de ban, hein. Mais à ZDZ, le mec qui fait du contenu depuis presque 15 ans, ah bon, lui met 15 jours, hein, bah évidemment, hein. » Je te jure, frère, cette hypocrisie commence à me péter les... Non! S'il te plaît! Je dors. Der Kampf, j'exerce le dodo, s'il te plaît! Bonnie, ferme la porte, merci. Ah! Mais c'est l'hypocrisie totale, frère, c'est l'hypocrisie qu'on n'en peut plus, gros! Gros, j'ai écouté sa blague, j'ai ri! Genre Twitch, sachez-le, hein, la blague de JDG, j'ai rigolé! J'ai exercé le rire, ça m'a amusé, d'accord? J'ai beaucoup rigolé, cette blague était marrante! Vous savez pourquoi? Parce que c'était ce que l'on appelle une putain de blague! C'est insupportable, frère! T'es là, gros? Tu fais une blague? Ah non. Par contre, je te garantis qu'en live, j'insulte des Russes ou des Roumains, il y aura pas de problème, les potes, je vous le dis, hein. Enfin, si, pour un ban pour faire croire qu'il y a un problème. Mais il y en a pas, les gars. C'est ce que l'on appelle de l'injustice sélective. Et ça me casse les couilles, les frérots. Ça me casse les couilles. Si tu veux être coincé du cul, sois-le avec tout le monde. Oh! Ils sont très chiants, vraiment. Bah, je les trouve plus libres que YouTube. Mais le problème, c'est pourquoi tu le bannes 15 jours, gros? Pour ça? Frérot! À quel moment? Dans quel univers? Fils de pute, ma lumière. Non, faut arrêter, les gars. Moi, les gars, je suis pour qu'on rigole. Genre, c'est... Vraiment, les gars, je vous le dis. Les blagues limites, l'humour noir, etc. Ce n'est pas marrant et c'est offensant quand c'est pas marrant. C'est justement ça le problème. C'est que si t'es pas drôle, fais pas de blagues offensantes, connard. Mais si t'es drôle et que tu n'es... Oh putain, t'as un joli crochet. Et que tu n'es pas un vecteur de haine pur et simple, faire une blague de l'humour noir, c'est ri... Fils d'enculé de merde. Oh non, non, s'il te plaît. Je suis foutu. S'il te plaît! Merci. T'as pas ouvert, hein, Bonnie, hein? Merci. Il est pas là, hein. Il est pas là. Ouvre, allume ta lumière. Elle est pas là, hein, cette connasse. Pardon, frérot. Non, mais vraiment, les gars, je vous jure, en vrai, hein, je dis ça en mode énervé cadet, mais si je vous parle humainement parlant, les gars, ça me désole vraiment, vraiment, réellement. Je ne comprends pas le fait que... Qu'on ne puisse plus rigoler les uns des autres, faire des blagues, etc. Je ne comprends pas, fils d'enculé de merde. Je ne comprends pas cette espèce d'air dans laquelle est, où tout ce qu'on dit est offensant, tout ce qu'on dit est... Tout ce qu'on dit est là pour blesser l'autre, tout ce qu'on... Pas du tout, frérot. Moi, les gars, j'ai que des potes blacks, quasiment. J'ai que des potes blacks. Ma famille, elle est arabe, gros. Genre, mec, faire des blagues sur les blacks, les arabes, mais ça me fait mourir de rire, les gars. En cercle privé, je suis d'accord. Mais, je veux dire, il a pas fait une vanne hardcore. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout, frère. Sa vanne n'avait rien d'hardcore. Et moi, je le dis, en cercle privé, les gars, mais je fais des vannes sur tout, mais absolument tout. Moi, j'adore l'humour noir, ça me fait rire. Faut arrêter dans ce truc du coinçage de cul, ça me fait chier. Et si Twitch, il veut me bannir, frérot, y'a Kik qui se développe, et y en a d'autres qui se développeront, qui sont pas les seuls. Y en aura d'autres, ils vont se baiser tout seuls. Ils sont très très cons à faire ça, vraiment. Ils sont débiles.
Vraiment. Donc s'ils veulent me ban, les gars, je suis l'apologie de la non-bien-pensance, les gars. Hein. Je suis pas Hypocrisy Land, les gars, c'est pas chez moi que vous le trouverez. Donc si jamais ça les fait chier et que je les emmerde, qui me ban ? Gros, y'a pas de soucis, frère. Y'a pas de soucis. Ceux qui suivent live tout le temps, gros, on pète sur Kick, sur Pornhub ou ce que tu veux, ils suivront, frère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, gros? Et au pire, c'est moins d'argent, j'ai le partenariat, c'est super. Les gars, avec le partenariat, je vous dis les avantages, hein, ce que c'est au cas où, peut-être pour ceux qui le savent pas. Les avantages, c'est que... Tu vas pas ouvrir, connard! Les avantages, c'est que quand ils te versent ton... Quand ils te versent ton argent... Le squattage est bien nul. Bonjour monsieur, non madame, je sais que c'est madame. Bonjour madame Moons. Les avantages, vous avez un défraiement de 20€ quand on vous verse l'argent. C'est-à-dire qu'au lieu de vous voler 20 balles sur l'argent que vous avez touché, il vous le paye. Et de deux, vous avez multi-qualité constant et vous avez un SAV qui est un peu plus rapide. Voilà globalement ce que c'est les avantages d'être partenaire. C'est-à-dire, pas grand-chose, hein, pour l'image que tu dois véhiculer. Donc, tu vas pas enculer ta propre mère. Pourquoi j'ai un putain de goût de ceinture dans ma putain de gueule? S'il te plaît. Ah! S'il te plaît! Est-ce que tu veux bien ne pas détruire ma giga daronne? Ma giga daronne! S'il te plaît, dis-moi qu'il est presque putain de 6h du mat. S'il te plaît. Lève-toi, con d'enfant de merde, de con. Sorti des couilles les plus... Vous savez ce qui va se passer. Vous le savez, arrêtez de dire non. Je sais, vous le savez. Je vais aller m'exprimer dans mon couloir. J'ai encore une autre question! Qui est l'enculé de ta grand-mère qui a développé The Joy of Creation? Le mec un jour s'est dit... Merci à vous. Der Kampf. Bon les gars, on se tape des barres depuis tout à l'heure, mais on a pris ce que l'on appelle dans le jargon les potes. Une grosse incule. Vraiment, on a vraiment pris dans le jargon ce que l'on appelle vraiment une grosse bite au cul. Hein. Vraiment, j'avais rarement vu ça. Hein. Des dos dans le cul, pareil, vraiment, c'est ce que l'on appelle des bras, hein, tout simplement. Donc, je vais aller allumer ma lumière derrière, les petits potes, et si vous, on va lui niquer sa mère. En fait, le truc, c'est que... En fait, les gars, le truc, c'est que... Il faut H24... fixer cette putain de lumière de merde. Et ça, je comprends pas. Pourquoi? J'avais bien géré. Mais sauf que Golden Freddy, il est venu, il m'a fait « Salut, ça va? T'as pas un petit 06? Tu voudrais peut-être pas me tuter la bite, hein? Ça te dirait pas de me payer pour le genre un petit peu? Hein? De m'avaler les couilles? Ça serait pas sympa pour toi, t'aimes pas? T'as pas envie de m'avaler le sgeg? Non, t'as pas envie, hein? Ça te dit rien? Non, t'as pas envie? Bah non, j'ai pas envie. »
En effet, il n'est toujours pas le chat. Mais c'est normal, tu n'es pas sub, monsieur Game Over. Déjà que le sub n'est pas rentable, sur plus c'est zéro avantage, c'est chiant quand même. T'imagines? C'est le susu. Le susu fait que t'as accès aux emotes animés. Eh oui, ouais, ouais, ouais. Bougez pas les gars, pas de panique, je deviens un extrêmement streamer. Un extrême bon streamer. Je ne me fie les gars qu'au son. Je fais ce que l'on appelle dans le jargon jouer le son. Regarde comment ils sont mignons, putain, c'est ta fin. Il est où le son? De la merde. J'ai s'allumé. Le culot, les gars. Fais le poète de Freddy. Je suis pas au max, pétasse. Le rat. Je parle plus, hein. J'arrête. Pose une musique pour se concentrer. Ah bah non, je la mettrai pas. Ah bah si, je la mettrai. C'est pas celle-là. Je rigole. En fait, tu peux sortir de ma chambre, je viendrai de me bagnac, s'il te plaît! Merci. Oh, fils de pute. Non. S'il te plaît. Rentre pas. Rentre pas. Ta tête de con là! Putain, on dirait mes couilles! J'observe que Foxy n'est pas encore arrivé, ce qui est une très bonne nouvelle. Malheureusement, il n'est que. Tu vas arrêter de me faire chier! Tire une ex! Camp! Arrête de gratouiller! Je sais que Foxy n'est toujours pas là. Der Kampf. Viser l'anus, ça ne me fait pas peur. Des saletés de fils de pute encore et encore. Va niquer ta mère, toi et la roue. Non, ben non, ben non, ben non, Gérard! J'ai pas éteint! Ben voilà, y'a pas besoin, tu vois. Pourquoi vous paniquez, les gars? Genre, je comprends même pas pourquoi vous avez stressé, en fait. Quelqu'un peut mettre des emojis de chat mignon, s'il vous plaît, dans le chat? Si
s'il vous plaît. Ça me rassurerait. Ouais, avec le chat trop mignon que j'ai exporté, j'ai fourni un effort énorme. Qui est celui? J'ai appuyé sur exporter GIF. Merci les pauvres, vous êtes mignons, putain. Oh, je vous kiffe. J'appuie sur son putain de nez. Oh, t'es mignon. Il était rentré en fait, et j'ai rien capté. Les gars, je crois que j'ai... C'est quoi ça? Super U, eau de source de montagne des Alpes, convient à l'alimentation des nourrissons. Oh, oh bah... J'irai même... J'en ai rien à foutre. Quoi, cette connerie, frère? Elle fait combien de centilitres, cette grosse putasse? Oh, mais quelle est cette merde? Elle fait 50! Mais comment ça? Mais qui le... Oh, je vais pas l'écrire dans mon couloir encore! Mais je me demande! Qui est l'énergumène qui s'est dit, mec? C'est rentable de faire 600 kg de plastique pour 50 centilitres de flotte de merde! Vous pensez pas que c'est pas mal? Ça fait partie de ces idées qui... Je vais finir la bouteille. Frérot, qui est le fils de pute qui s'est dit un jour, mec, je vais créer des bouteilles de 50 centilitres? Genre, t'es mal, le bruit que ça fait, c'est lance contre mon mur, genre. Frérot! Genre, un cerveau de con fait plus de bruit? Frérot! Je suis Étienne. Franchement, moi aussi, hein. De fou, hein. Oh, eau de source naturelle qui fait un bruit apaisant. Bonjour. Attendez, je change de scène. Bienvenue sur ce live ASMR. Aujourd'hui, je vais faire des anulingus à mon micro. À l'aide d'une bouteille Super U qui s'appelle Eau de source de montagne des Alpes. Je tiens à vous préparer. Ça risque d'être gênant pour certains. Ceux qui sont gênés, veuillez revenir dans 2 minutes. Mais pour ceux qui ont de l'humour, vous pouvez rester. Parce que moi-même, je déteste les SMR de gros fils de pute, de sa mère la chienne que j'encule. Remettons l'antipop. Est-ce que tu aimes quand je tripote ta bouteille, grosse pute? Est-ce que tu t'appelles Cristaline? Quand t'es pas un connard, tu l'appelles Staline. Donc si t'es en boîte de nuit et que tu vois une meuf bourrée, tu lui dis surtout pas. Excuse-moi, est-ce que tu voudrais par hasard peut-être cette bouteille de cristalline afin de te désaltérer? Car tu m'as l'air, ma foi, presque tête bêche. Et te souiller pendant que tu es complètement saoul ne m'intéresse guère. Car sucer et vomir ne sont pas compatibles. Ou sinon, tu proposes? Salut! Tu m'as l'air bien rebou, connasse, dis donc! Est-ce que tu voudrais pas de la Staline? Ah, vraiment, ça me ferait super plaisir! Mais t'as un sacré sang, Brandon! Je sais! C'est grâce à tonton cadet! Il donne de super conseils pour pécho en boîte! Oh, j'espère pouvoir le rencontrer! Il a l'air d'avoir un charme hors norme, vraiment! Alors, pas vraiment! Chaque fois que j'ai appliqué ces techniques, j'ai pris ce que l'on appelle de la gardave! Donc je vais éviter désormais d'appliquer les techniques cadets, si possible! D'accord, Brandon! Je ne te sucerai pas ce soir! Je suis très demain après-midi, le long d'un barbecue et quand je ne serai plus sous. Oh, excusez-moi, je vais être politiquement correct. Je tiens à préciser éventuellement que ce que je fais est de la satire et de l'humour, et que par conséquent, ce sont des conseils non applicables à la vie de tous les jours. Je ne tiens guère à démontrer le mauvais exemple. J'ai un balai dans le cul tout comme vous. Je fais en sorte de faire des choses drôles qui font rire momentanément, puis je fais la morale pendant 15 minutes à mes viewers parce que je les prends pour des gens qui n'ont pas de cerveau et pas d'éducation, ainsi que pas de libre arbitre. Par conséquent, je vais leur expliquer comment est la vie et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Chers viewers,
au nombre de 206, veuillez ne pas exercer l'acte de dire à une fille « veux-tu de la cristalline » quand elle a exercé le rébouage et ne pas lui dire que c'est parce que sinon elle va et vomir un maximum. Ce n'est pas la vérité, ceci est une blague, très bien. On entend ? D'accord. Kadé est un personnage qui permet de rigoler. D'accord ? Il y a un cœur derrière Kadé. Voilà, je tenais à le dire quand même. C'est important. Comme ça, vous le savez. C'est bon, les normalités de quoi ? C'est du cul ? Elles sont bien faites ou pas ? Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais bien le streamer chiant ? Est-ce que je fais bien le streamer relou ? Est-ce que je fais bien le streamer... Bonjour, je suis ton père, alors que j'ai 24 ans. Mon prix Twitch, c'est un personnage, t'as vu ? Vous avez vu ? Parce que, je sais pas si vous réalisez, mais le personnage là, qu'il y a là... Regardez, attends, je vais le faire clignoter. Le personnage qui est juste ici, ça va peut-être vous halluciner, mais le personnage qui est là, vous voyez, il clignote là. Ce personnage est un personnage ! Hein ? C'est-à-dire que je ne suis pas toute ma vie cadet, j'adore l'aide, c'est un trait de ma personnalité. Mais néanmoins, si je suis comme ça tout le temps, je fais ce que l'on appelle un infarctus ! Ce serait bien parfois de faire la différence, je pense. Hein. Vous pensez pas que, par exemple, monsieur Frédéric Molas et Joueur du Grenier sont deux personnages différents ? Il me semble que sa chaîne Twitch s'appelle Joueur du Grenier et non pas Frédéric Molas. Voilà, voilà. Souffle du nez, hein. Ouais, c'est vrai, les gars. C'est vrai, t'es fou. Soufflamme, c'est ça exactement, il nous soufflamme. Ah, dinguerie, frère. Vous savez que ça m'a fait halluciner, hein. Je suis pas Twitter, hein, pas du tout. Enfin, pardon, je suis pas X. Je suis pas X, genre. Mais vraiment, genre, quand j'ai vu le ban de 15 jours, parce que, à ma connaissance, il y a une meuf cette année qui a écarté sa grosse chatte. Sur Twitch, c'est bien ça, hein. Qui a montré ce que l'on appelle les fruits de mer. Enfin, plutôt le fruit de mer. C'est bien ça, hein. Et elle a pris 2 jours. On est d'accord. Je sais même pas comment elle s'appelle, frérot. C'est la moula. C'est Zetslum qui me l'a dit, les frérots. Oui, oui, c'est Zetslum qui me l'a dit. Qu'elle a exercé le plop, 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 plop. Enfin, moi, je suis désolé, les gars, mais juste quand je vois... J'ai rien contre elle. Elle est très jolie, c'est une fille charmante. Je suis sûr qu'elle est, en plus, elle, tout ce qu'il y a de plus désirable au monde. Mais amourante, quoi. Genre, moi, je suis pour... J'aime les nichons, les gars. J'aime les nichons, j'aime les meufs. J'adore ça, je kiffe ça. J'ai jamais de youtubeur en mode... Oh non, moi, les meufs, les gars. Non, j'aime les nanas, les gars. J'adore ça. Dinguerie, frérot. Qui est le connard qui a dit... Moi, non, en tant que youtubeur, je garde ma tête dans mon... Non, pas du tout, frérot. Moi, j'adore les meufs. Y'a pas de problème au fait qu'elle me rentre, elle monte ses nichons. Mais si elle me monte ses nichons, qu'on me casse pas les couilles parce que j'ai déjà fait une blague. Et qu'ils prennent pas 15 jours. Proportionnalité, bordel. J'aime les nibards. Ça me gêne pas. Mais viens pas me ban moi ou X autre parce que j'ai fait une vanne sur les rebeux, les J-Word, hein, on va dire, pour pas offenser qui que ce soit, ou sur les blacks. Non. S'il te plaît, sois proportionnel. Putain. Con de mime. Bon, sur ce, on est nu à finir, les gars. J'ai à dire quand même qu'il est 22h, qu'on est toujours nuit, hein. Le pauvre JDG. Ah non, mais mec, c'est terrible, frère. C'est terrible, frérot, ça m'a vénère, gros. Ça m'a même pas vénère, ça m'a fait de la peine pour le monde, genre. Putain. Genre, y'a des gens, frérot, ils ont trop besoin des streams de JDG. Ils sont là, c'est leur quotidien, tu vois, ils sont là, ils regardent, ils sont là, putain, je me sens bien quand elle stream JDG de loup. Tiens, pendant 15 semaines, tu niques ta mère. Ah, t'as payé ton sub, on peut passer ta mère 2 fois. Frérot, t'es qui, en fait? T'es qui pour faire ça, genre? Dinguerie, frère. Frère, c'est un truc de fou. Vous pouvez clipper, envoyer qui vous voulez, les gars, j'en ai rien à battre, frère. Vraiment, hein, je le dis, et je suis pas le seul qui a armé sa gueule sur ça, Antoine a fait pareil. Faut arrêter les conneries, frère, c'est bon, gros. C'est des fous, frère. Et quoi, avec JTJ, il a fait quoi? Il a fait une blague qui était marrante, et donc du coup, il a été ban. Faut pas faire des blagues drôles sur Twitch. Tu fais faire des blagues genre, les gars, c'est une chèvre, elle pète, et ça fait prout. Bon, ça vous fait peut-être rire, parce que je sais pas, c'est moi qui le dis, mais c'est pas marrant, tu vois. Là, tu fais ça, c'est marrant, tu vois. Mais le reste, c'est pas drôle, frère. C'est offensant pour la haute société, tu vois. Dinguerie, frérot. Truc de fou. Bon, les gars, la parenthèse JDG est terminée, hein. Heureusement, ce n'est pas un ami d'enfance à moi, parce que si c'était un ami d'enfance à moi, j'aurais pété un câble. Mais c'est pas un ami d'enfance. Je ne le connais ni de près ni de loin, j'ai juste regardé ses vidéos, hein, évidemment. Donc, nous allons pas nous attarder 1000 ans, juste je ne suis pas d'accord sur ce qui lui est arrivé. Voilà, je tiens à le dire, je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve pas ça cool. Voilà, voilà. Je trouve ça profondément ce que l'on appelle injuste. La chef ne peut pas être contente. C'est comme sur YouTube. Bah là, je trouve ça pire. Hein. C'est-à-dire que YouTube, déjà, je les trouve horribles. Genre quand tu regardes Calchbut, comment il se fait strike, c'est horrible, frère. Mais là, frérot, c'est grave. Hein. Enfin, vous irez, vous taperez blague JDG Twitch ou blague JDG ban. Vous irez voir la blague, les gars. Il y a rien de fou. Hein. Vraiment, il a juste dit le J-word, les gars. Il a dit J-word. Terminé, frère. Terminé, frérot. C'est terrible. Et ça les stigmatise. Enfin, je sais pas si c'est eux qui prennent ces décisions-là. Je sais pas qui prend ces décisions-là. Mais ça stigmatise cette communauté. C'est débile, frère. Personne n'a rien contre eux, frère.
La blague est chiga drôle, bien sûr, frère. Trop drôle, frère. Moi, ça me fait rire. J'irais le dire ouvertement sur Twitch. Peuvent me ban s'ils veulent. Ça me fait rire, cette blague m'a fait rire. Je me suis amusé. J'ai tapé des barres. Je l'ai écouté, j'ai fait. Bâtard. Il était ban. Ok, frère. Dinguerie, frérot. Pourquoi, gros? C'est quoi la blague? T'as trouvé sur YouTube avec les sondages. Tu tapes JTG Black Ban et tu vas trouver direct. On en parle de Speed et sa commu. Non, on va pas en parler, je pense. C'est le mec qui a eu un problème physique là récemment. Genre, il a eu une allergie ou je sais quoi. C'est pas une allergie, c'est une réaction du corps. Et il a eu des problèmes au visage et tout, dinguerie. J'ai pas vu ce qu'il en a été de sa communauté. Je t'avoue que je m'en fous un peu. Moi, c'est plus par rapport à lui que, entre guillemets, j'avais de l'inquiétude pour lui. Enfin, ce serait faux cul de le dire parce que je le connais pas, je le regarde pas. Donc, forcément, je ne pense pas à lui. Mais voilà. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive, évidemment. Évidemment, les potes. Bien sûr. C'est du mur noir, je censure tout maintenant. Non, t'inquiète, hein. Je pense que le mot noir ça ira, tu vois. Genre là, actuellement dans la chambre, on est dans le noir, tu vois. Ça devrait aller, on devrait survivre. Bon, les gars! C'est le bruit de mes boules contre mes propres fesses! Je vais chercher du jus, je reviens. Si je suis bad entre temps, les gars, bah vous savez qu'il y a un mot que vous devez pas dire. Il s'appelle le J-Word. Les voisins en sueur, non vous inquiétez pas les frérots. S'il y avait des voisins à qui je casserais les couilles, je gueulerais pas comme ça. Ou alors je les préviendrais que de 7h à 7h6 je peux gueuler et que c'est pas contre eux, que c'est mon métier en fait. C'est mon métier, c'est quelque chose qui me permet d'extérioriser, c'est quelque chose qui permet de faire rire les gens, quelque chose qui permet de faire des TikTok hilarants, donc voilà. J'espère qu'ils comprennent, sinon je serais obligé de prendre du 9mm. Je rigole, c'est une blague. Allez, t'as regardé, prostitue-toi, fais le tapin en maillot et tu ramasses ma sub, c'est ça, c'est exactement ce que je vais faire. C'est vrai que c'est rentable, les gars, en vrai. Il y a moyen que je mette une petite facecam et que je mette un soutif. Non, mais en vrai, moi, ça me dérange pas, les gars. S'il y a un marché, y'a pas de soucis, tu vois. Je veux dire, Amourande, en vrai de vrai, elle a. En fait, elle ouvre des portes, tu vois. Genre, quand elle. Par exemple, les gars, quand elle a dit de JDG. Oh putain, on revient encore sur lui, frère. Quand elle a dit de JDG qui ressemblait à un ananas, frérot. Est-ce que ça ouvre pas des portes pour que moi, j'aille regarder des meufs? Tu vois, je fais un stream, je regarde des meufs, et je dis, ah là là, elle ressemble à une pêche, elle ressemble à une poire, elle ressemble à un concombre. On peut rien dire, une meuf a dit la même chose, une meuf giga connue avec giga notoriété, elle a dit la même chose. Pourquoi on me dirait quelque chose à moi, tu vois? Est-ce que c'est vraiment du sexisme? Est-ce que les féministes vont commencer à transpirer? Les féministes, pardon. Est-ce qu'elles vont commencer à transpirer? Je parle pas des féministes, des vraies féministes, je parle des féministes, les connasses, évidemment. Je parle de celles qui ne sont pas féministes, des connasses, hein, différents. Eh oui, évidemment. C'est tout le problème, frérot. C'est que... Quand t'es d'un côté, visiblement t'as le droit, mais de l'autre, ça se fait pas, t'es un misogyne. Ouais, faut arrêter frère. Ça va remettre dans le cul les gars, faut rigoler hein, c'est important hein. Moi je pense que, les gars, en vrai je pense que notre génération ça va. Je pense qu'il y aura vraiment une minorité de gens super chiants, tu vois. Mais je pense que les gens globalement sont pas trop coincés, tu vois. Moi quand je rencontre des gens et tout, j'ai à peu près l'humour que là, bien sûr j'en fous pas dans la gueule dès le départ. Mais je veux dire, j'ai jamais de réaction en mode, attends, t'es en train d'être drôle genre, et de dire des trucs sur tout ce qui est attaquable. Oui, tout à fait. C'est le pluriculturalisme, mec. Pluricultural, mot compliqué d'un télo. T'as capté? Faut rire de tout, frère, faut arrêter. On peut pas rire de tout avec n'importe qui, je suis d'accord, mais... Il y a un moment, frère, relou, les gars, on se fait chier, hein. On se fait chier, quand même. Moi, j'aimerais bien dire que c'est un ananas d'amourante, tu vois. Ou dire c'est un ananas du grenier. Vous aimez pas les ananas d'amourante? Moi, j'aime bien. Bien sûr, frère. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Kadek fait de l'ASMR de ouf. À mort, frérot. Après, à partir du moment où tu vis, tu peux te faire vanner, c'est normal, putain. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que... Donc, moi, honnêtement, les gars, tant qu'on vient pas chier devant ma porte, je m'en fous, frère, dis ce que tu veux, gros. Dis ce que t'as envie. Et au pire, je te réponds en bonne et due forme. Je vais pas aller saisir des organismes pour te faire taire, genre.
En mode, tu sais, ah, il tient un truc, je suis pas d'accord, il faut qu'il prenne feu et qu'il n'existe plus. Nique ta mère, gros. Ah, t'es quel genre de faible, frère, pour faire ça? T'es quel genre de giga merde pour arriver et genre, un mec qui dit un truc, t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, tu fais en sorte qu'il ne puisse plus s'exprimer, genre. Arrête, frérot. Qu'est-ce que tu fais? À quel moment t'es crédible quand tu fais ça, gros couillon de la lune de merde? Et c'est vraiment ce qui se fait, les gars, depuis 10 ans sur Internet, c'est un truc de fou. Un mec qui dit un truc qui est pas avec la norme sociale de balai dans le cul, on est tous des gens bien, non, tu vois. Mais à contrario, sur des sujets plus graves, par exemple, on va inviter un Roman Polanski pour représenter les Oscars. On est où? Pour ceux qui le savent pas, je l'ai dit en début de live, Roman Polanski, c'est le réalisateur du film Le Pianiste qui a enculé une gamine de 13 ans. Faut le savoir quand même. Et il est en France là, les gars. Là, il dort, hein. Il est 23, il est 22h05. Le mec, il dort tranquille, hein. Y a pas de problème pour lui. Il dort. Mais il a bien pensance, tu comprends? L'autre, il a fait une blague sur G-Word. Ah, te faire enculer, frère. Le mec, c'est un réfugié diplomatique en France. C'est-à-dire que s'il va aux States, il prend perpète. Je sais pas si vous le saviez. Allez voir sur Wikipédia ou n'importe qui, les gars. Tapez Roman Polanski, reportez ce que vous voulez. Tapez biographie, vous allez voir un peu. Le mec, il encule des gamines de 13 ans, mais il est tranquille en France. Et après, en France, on fait les Saintes-Nitouches en mode « Oh non, mais nous, on est pour la liberté, et puis surtout, on est pour l'équité de tout le monde, on est pour le bien. » Ferme ta gueule, frère. Ferme ta chatte, frère. Arrête un peu. Arrête de me prendre pour un con, gros. Bonjour, monsieur Chanatlas. Merci infiniment pour ton prix, mon fils. C'est très gentil. Merci infiniment. Voilà, bon, je sais que c'est pas la bien-pensance, c'est que je pourrais juste fermer ma gueule et me contenter de jouer à The Joy of Creation, mais il y a des choses qui me fatiguent, les frérots. Je vais pas non plus devenir un homme politique, pas du tout. Mais par contre, quelque chose me fatigue et je trouve ça injuste, j'ai besoin de le dire. Parce que je trouve ça vraiment injuste. Pour JDG, je trouve ça vraiment, vraiment injuste. De fou. Je trouve ça injuste au possible, c'est insupportable. Et évidemment, ce n'est pas le premier, bien entendu. Genre, pour quel jeu de cartoon trash qui est sur YouTube, c'est pareil, frère, c'est pas juste pour lui. Le mec qui se fait strike, il en peut plus, gros, de tous les côtés, frère. C'est nawak, frérot. Freddy est en train de prendre ma main, les gars. On repart, je vous l'ai dit. Regardez maintenant. J'ai pas fait de prédit, quelle pute. Mais de toute façon, j'ai le temps parce qu'il y a l'autre connard qui parle. Vas-y frérot, parle le temps que je fasse la prédit. Désolé, il y a le son qui se coupe, les gars, je ne peux pas faire autrement. Enfin, je crois pas. Je vais essayer, mais... Bah non, il y avait pas d'autres options. Non. Prédiction. Prédiction. Choisir la réponse. Est-ce qu'on le touchote? MDR non, bon allez oui. Eh ben les gars. Eh oui, je suis sûr, sale con. Voilà. Alors. Est-ce qu'on le trichote? Ok les gars, je vous laisse 30 secondes pour voter. Allez les points de chaîne les gars, ça part. On se met bien. La prédiction est lancée, je répète. La prédiction est lancée. Est-ce qu'on le trichote ou pas du tout? Trichote pour les non-bilingues qui signifie est-ce qu'on le réussit du troisième coup ou pas. Jamais 203, mais non les gars. Vous avez le jeu, vous avez tous les frérots. Hein. If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you. Now look, I know this is a lot to take in, but Nikki, okay? Pariez pas trop, les frérots. Pariez de quoi gagner, mais ne pariez pas de quoi tout perdre, comme j'aime dire. On a le son, ok, nickel. Le son est bon, attends, je vais vérifier que j'ai bien désactivé le reste. Ok, nickel. You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there. Be watchful if you see his hook on the back of your bed, because soon enough he'll be right there next to the bed. Don't look directly at him, Nick. Instead, pretend to sleep. All right, just pretend to sleep. Yeah, just lie down without moving too much. Look up and close your eyes. Foxy sees eyes as if they're big, bright spotlights, okay? So if you pretend to sleep, he won't know you're there anymore. But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, so to recap, Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Disable the lights and sit down until he leaves. Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone.
And Foxy will appear under your crib and move upwards. So when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave. All right, you got all that? All right, good. Listen, I have to go, little buddy. Okay, just hang in there. They'll leave at 6 a.m., I'm sure of it. You can do this. Le rat. Ok, les gars. Qui le sent bien, là? Dites oui dans le chat ceux qui le sentent bien. Et ceux qui le sentent mal, dites... Ah là là, je suis très très stressé, ma vie est angoissante. Je propose de sound, les gars. Je le sens bien. Les gars, faut regarder la lumière, vraiment. Si vous regardez pas la lumière, vous aurez une dent qui vous pousse au cul, les gars, donc regardez la lumière, hein, surtout. Mettez la luminosité de votre télé. Mettez la luminosité de votre téléphone au minimum si vous voulez, mais regardez la lumière. Je le sens bien. Salut, mon pote. Il rentre pas, hein, ce connard. Hein. Va niquer ta mère, toi et la roue. Fils de pute. Les gars. Il va rentrer là. Tiens donc, parce que c'est gentil aussi, hein, merci beaucoup. Oh, tiens nous, c'est. Voire même. Je suis tout seul dans le noir chez moi, je me suis tué. Non, mon frérot, t'inquiète. Ça va aller. T'es pas rentré, hein? Non, ça va, toi. Ça, genre tu regardes et tu vois la petite papate. Tu vois? Là t'es invincible. Et c'est même pour les autres, il y a besoin de croire. Non, Half Demon justement. Pour Chica en fait c'est bugué son explica. Fils de pute. Plutôt. Fils de pute, ma lumière. En fait pour Chica, si tu laisses la lumière allumée, tu te fais enculer ta grand-mère. Tu vois? Tu vois, genre elle est pas là, elle a refermé. Alors qu'il dit genre que tu peux laisser la lumière allumée, il faut juste que tu te couches. Mais en fait c'est le développeur qui s'est trompé en fait, hélas. Soit dans la programmation, soit dans les dialogues, mais il s'est trompé. Voilà, parce que t'as vu, genre si vous écoutez le dialogue du début, vous réécouterez pour ceux qui ont envie. Vous allez voir la vidéo. En fait il dit que tu dois rester genre... Tu peux laisser la lumière allumée, tu t'en fous, mais qu'il faut rester allongé pour Chica, alors que c'est l'inverse. Tu dois éteindre la lumière, mais t'es pas obligé d'être allongé. Merde, qu'est-ce que je fais, putain, quel connard. Il est pas rentré. Je fais un dessin géant de toi en post-it pour ceux dans le super gentil nommé. Les gars, sachez une chose, hein. Ceux qui font des fanarts qui font des dessins, les gars, à chaque... Fils d'enculé de ta grand-mère. À chaque fois, je suis ému, genre. Bah, tu peux coucher ton cul, salope. Merci. Tu peux garder la lumière allumée. Oui, je sais, c'est ok, ok, un autre animatronix qui rentre surtout. Genre Bonnie. Merde. Ouais, les gars, les fanarts, moi je suis trop fan. Hein. Ah non, j'ai juste éteint la lumière. Je peux la regarder juste. Quoi. Merci, monsieur Draxi, pour ton prime. Merci infiniment. J'espère, les gars, que je peux louper de prime avant. Hein.
de Prime ou de Sub. Merci infiniment en tout cas aux personnes qui Prime, qui Sub, qui donnent des easy, les gars, c'est, vous êtes pas obligés, donc c'est très gentil, merci beaucoup. Ça fait super plaisir, ceux qui en donnent. Bonjour monsieur Traxi, bienvenue de rue. Merci pour ton Prime, Traxi, c'est... Merde! C'est très gentil, merci Traxi. Putain, je jaune, putain, ça sent la pisse. Ça, monsieur Traxi, merci infiniment. J'espère que toi aussi. Fils de pute, ma lumière. T'inquiète, ça va le faire, Traxi. La vie n'est qu'une succession de sus défiants. Bonsoir ma chère Naru, comment vas-tu? Regarde, regarde l'emote que j'ai mis, Naru. Là, Thomas, envoie un DM, Trax. Envoie un DM, Trax. Envoie-moi un DM et je regarderai. Tu me diras en DM la raison pour laquelle t'étais bonne. Les gars, parce que t'as réellement mes souvenirs. Moi je fermais, genre, et Foxy était là, il était là, ah, je regarde le baiser ta mère. Je regardais pas, frère. Du coup, je posais mon immense rectum dans le lit, je faisais oh les petits yeux au ciel, la la la. Et lui était en mode, je vais tiquer ta mère. Et moi j'étais en mode, tonton, je fais tonton. Et à la fin, il repartait dans le cul de sa daronne. C'est pas le cas, frère. Hello, 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 Nick. Hey, Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? Okay, there. Bonjour, comment on regarde un live, c'est une blague bonne, je pense que c'est une blague. Je m'en doute, oui, j'espère bien. Faut pas être trop con quand même. Yo, ça va, c'est la version Unreal Engine 5. Ouais, bah justement, comme je fais un maximum de programmation de jeux vidéo, ouais, je peux te répondre avec certitude. Non, c'est Unreal Engine 7. Bonsoir, monsieur petit Twix 5, bienvenue de rue. Non mais Fun Thunder, c'est très gentil les compliments, mais c'est juste que le fanboyisme à base de Cadus, pour plus vivre, t'es vraiment mon idole. C'est genre, c'est peut-être les gens ça leur plaît de ouf, moi ça met mal à l'aise, voilà, je te le dis Thunder, juste genre, c'est gentil, je sais qu'il y a une part de gentillesse de ta part, mais vraiment, je t'assure, ta meilleure idole c'est toi-même frérot. Je t'inquiète. Ne te rabaisse pas à ça. Pas de soucis, Thunder, je sais que c'est pas de mauvaise intention. T'inquiète. Alors, c'est pas d'information, mais c'est Madame Twix. Bienvenue, Madame Twix. Très enchanté de t'avoir ici, merci infiniment de ta présence. Excuse-moi, encore une fois, ce que j'ai toujours, c'est je ne vois guère vos vaginariums ou vos. S'il y en a un qui me crie dessus, je nique sa mère. C'est je ne vois guère vos vaginariums ou vos bites de cheval quand vous venez dans le chat, donc je dois deviner. T'es trop beau, je te pépon, je sais, Denis, t'inquiète, pas de soucis. Moi aussi, frérot. Pas de problème. Putain, l'autre, il va aller souiller sa mère un peu. Les gars, rejoignez le Discord ou je vous pète la gueule? Si quelqu'un est chaud de mettre la commande pour une exclamation Discord. Les gars, il y a un lien officiel et tout, genre, vous devez rejoindre, en fait. C'est quoi ce bordel? Pourquoi y a pas tout le monde sur Discord? Pourquoi y a pas 60 000 personnes sur Discord, en fait? Y'a pas le nombre d'abonnés sur Discord, en fait, je comprends pas. Les gars,
Ouais, même pas, ne serait-ce que le nombre d'abonnés Twitch, tu vois. Pourquoi? Et venez sur Insta aussi, les frérots. Vraiment, je vous assure, je mets des stories, les frérots. En plus, récemment, je mets des stories, les gars. C'est genre, vous savez, c'est les gens qui vous vendent des formats. Pourquoi j'ai tard? Les gens qui vendent des formations en mode ouais. Ouais, citation et tout. Bah, moi, en fait, je mets ce que je note dans mon bloc-notes sur l'observation de ma life et d'événements de vie. Je le mets gratuitement en story, les frérots. C'est-à-dire que vraiment, je ne fais pas payer. Hein. Je pourrais. Je serais certainement un sac à merde. Je pourrais. Je le fais pas. Ça s'appelle juste mes bloc-notes. Mais le. Qu'est-ce que c'est, les couilles, celui-là? J'appelle ça mes bloc-notes et hop, tac-tac. Vous avez les petits trucs, tu vois. Vous avez le Insta. Il y a l'autre connasse derrière. Pas rentré, salope. Non, c'est bon. Merci, connasse. Sinon, comment on fait pour devenir mode Twitch? Pas ce que tu fais, Thunder. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je sais pas. Clairement pas. Dans le charge des adultes émancipés qui n'ont pas pour vie, moi, déjà. Entre guillemets. Sans être insultant. Mais est-ce que les gars, on peut pas le faire disparaître en faisant genre directement ça, les gars? Est-ce que je vais pas faire direct ça? Oui. C'est ok. D'accord. Ah, c'est mieux ce que je viens de faire en fait. Et ensuite les modos, je les recrute moi-même, voilà. T'inquiète. Tu fais un don de 800 euros et 300 subgifts. C'est ça, exactement. C'est ce que t'as dit à Denis, c'est ça, c'est mes critères. Après les gars, j'ai ouvert un Tipeee aussi récemment, donc n'hésitez pas à donner 4000 balles dessus. Voilà, c'est le don minimal. Ça permet de soutenir la chaîne, de me permettre d'aller au Bahamas, c'est un peu cher là-bas. C'est un peu hors de prix, voilà. Je pense avoir des besoins quand même jusque raisonnable. Et de toute façon, ça permet d'être modo, mais uniquement un jour sur 7. Voilà. Si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça rentable, perso. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Bonjour, monsieur Bob le Bricot, bienvenue mon fils. C'est une blague, évidemment, pour ceux qui ont vraiment une appellation du second degré. C'est une blague. Que j'ai dû payer, c'est vrai, hein. Il a dit qu'en ce moment c'était la hesse, Denis, mais en fait au final, ça, est-ce que c'est pas un peu à cause de moi, tu vois? Il est en train de me sucer, il adore, frérot. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand c'est moi qui le fais. Manda Dylan, elle l'a kiffé. Ils veulent qu'on s'émancipe, je préfère qu'on s'émancipe. Les contrats, c'est sa consigne. Ça va, tu galères pas trop, non, monsieur Maître des Merguez, ça va. On est seulement à notre quatrième try en combien? En deux heures. Rentre pas. Merci. Con de mine. Fils de pute, ma lumière. Non. Non. T'es chiant. Tu me fais déféquer, monsieur Foxy. Lève-toi, putain de con de gosse de merde! Qui se met à trembler pour rien, là! Con d'abruti de... Ce chien. Qu'on est guidé que 4 heures, on est foutus, les gars. On est foutus. Tu peux sortir de ma chambre! Merci infiniment. Fais rouge.
Oh non. Oh, Kampf. Oh, guys. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Sors. N'aie pas la griffe, s'il te plaît, sur le lit, s'il te plaît. Bon, fais pas le gamin, n'aie pas 5 ans. Il dit que 4 heures, frère, oh, je suis foutu. Je suis foutu, frère. C'est la fin des haricots verts, comme on dit chez nous. Je suis pas dans le rouge, je suis dans les règles, gros! Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Chatte à ta mère, la reine des putes, pour m'occuper de Kappa. Rentre pas! Sors ta chatte de là! Oh, il est rentré, hein, cet espèce de... Je suis pas au max, pétasse! Freddy? Non, il n'y a pas Freddy, les gars. Ouvre! Fils d'enculé de ta putain de mère! Espo! Fermez ce putain de store! Bonnie, sort de ma chambre, connard! On dirait un petit frère qui casse les couilles! Je vais péter un câble, je vais péter un câble. Comment on le contre? Ça y est. Oui, c'est bon, tout va bien, hein. Ok. Bon, ça chie dans mon froc, frérot. Merci monsieur Urifake pour ton note de susu à monsieur King-8 Crimson-825. Merci infiniment monsieur Urifake, c'est d'une gentillesse incroyable, merci beaucoup. C'est très gentil, hein, ceux qui donnent des subs et des sgags, merci infiniment. Je vous dirai jamais assez les frérots, mais merci beaucoup. C'est vraiment d'une gentillesse effroyable. Je t'envoie le faire. Envoyez sur Discord, hein, les frérots, les fanarts. Envoyez-le dans le channel artiste sur Discord. Ok, donc c'est le niveau où il y a les deux mange-merde qui viennent. J'adore les musiques de ce jeu, les gars. Je suis trop fan. J'adore. Il me semble que c'est là où il y a les deux manches bertes qui marchent dans les couloirs, si je me souviens bien. Living room, c'est ça, c'est le salon, donc oui. Ok, les gars, il y a plus de cinématique. Pardon, j'ai plus le son. Mais ta gueule, arrête de me couper le son, connasse! You know, called an ambulance, maybe dropped him off near a hospital would have been better. I just don't think I feel comfortable with a complete stranger just ending up... Oh, honey. Tu veux que je te suce la bite? Worried about the kids. Rien à foutre. Of course I'm worried about the kids. He's sleeping right next to them. How can I not be? What if he's faking that? We could stay here to make sure nothing happens, if you're that worried. All night? Of course all night. Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary. Oui. How about we just sit here in the living room and watch some TV while we keep an eye on the kids? I mean, sure, I guess. Yeah, I guess we could do that. I've just got to go make sure one more time nothing's wrong, all right? I'll be right back. Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. LOL. Tu t'inquiètes trop, hein, chérie, hein, vraiment! Rien de... What was that? Oh, c'était rien, t'inquiète, chérie, vraiment, le... Il y a personne qui va venir te souiller ta mère, je t'assure, vraiment, il y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Who is it? What in God's name is going on here?
Oh, c'est prédiction, merde. J'ai eu la prédiction. Mais pourquoi il a fait en sorte que le créateur ça coupe le son du jeu quand tu fais alt tab, ça me casse la bite, bordel. Bon, prédiction. Alors, la question était, est-ce qu'il va réussir? Choisir la réponse, oui, évidemment. Donc on a réussi, et slash prédiction. Attendez, c'est le tuto les frérots, hein. on peut ne pas l'écouter. J'suis pas au max, pétasse. Je suis entre nous. Est-ce qu'on one-shot la nuit, les frérots? Vas-y les gars, je vous laisse une minute. Et on écoute tout le tuto. Tu vois des tours Eiffel en porte-clé, c'est ça? Putain de merde, je dois encore me mettre en QWERTY de ces morts! I am stressed! Oh, what the hell? I am fucking going on! Mr. Fuzzy! Qu'est-ce que ça vite? Ça, on s'est découvert avec les vidéos sur le premier moto et l'entendu mourir. Merci infiniment, monsieur Doomfast. Ça me fait un plaisir fou. Yes, but it's filled with static. All right, please keep an eye on it. It should help you. Look, they usually come from either the left side or the right side. You have nothing to stop them, so if you see one of them about to enter the room, just hide. Hide? Hide where? just stay. Pardon les gars, je dois augmenter le dans ton cul, comme on l'entend bien. Dans ton cul. Voilà, ça me paraît mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Which one will come from which side, but if you look at the TV, you might be able to tell by yourself. Maybe if you can, try to see if you can look through the doors too. Windows, keyholes? Yes, keyholes. If any of your doors has a keyhole you can peek through, keep checking it. They won't notice you on the other side, trust me. Bonjour monsieur Marty, oui, je viens bien de rue. So yes, I can't stress this enough. If anything comes through those doors, hide. Just hide away from view. You might hear noises later on in the night. Pay attention to those. Don't look at anything that appears in your room and try to stay safe. Le jeu est vraiment très bien fait. Do I have to stay here all night? What about my children? What about my husband? Look, it's very hard to explain, ma'am, and no, just wait until 6 a.m. to be safe. But don't worry, the time will pass much faster. Just keep an eye on the clock and wait for that time. They should all be gone in a few minutes, and then the hours will reset. Now, please, if you survive, I need you to get out of this house as soon as possible. I'm gonna help Scott get out of here myself. Don't worry, just please get yourself and your sons out of harm's way. I don't understand what is even happening. How do you know all of this stuff? Wait a second. How do you know my husband's name? I was there when he found you, Michael. He never said his name. How do you know? Les gars, j'ai une question. Pourquoi il a mis la... Michael? Pourquoi il a mis la tasse dans la putain de... Pourquoi? Vous pouvez pas la mettre devant? Pourquoi elle est dedans? Merde, c'est lancé là. Holy freaking fuck, freaking crap, oh freaking damn. Only get the fucking piece of crap. I'm gonna pose the Foxy because the Foxy is the one that I don't like. And the Freddy's on my right. I remember this, so the Foxy is in pose. And we have to look at the Freddy sometime. But not too often because we're gonna fuck ourselves if we see it too often. Okay, guys? This stream is not in English. Oh, yeah. We need the GRM on this stream. And Mr. Iron for DBD videos. C'est Monsieur Freddy qu'on a mis en pause, oui. Il faut que j'aille du côté de Fofo. Non. J'en ai rien à foutre. Je vois que j'ai envie de t'ouvrir le cul. Putain de merde. Merde, putain. Parti au fond, l'autre connard. Attends.
Le sexe, c'est trop bien. Il est quelle heure? Il est 1 hour! Fucking day! Je vais voir de la bière. Ok. C'est vous du quatrième cri, tu m'as dit, hein? Les gars! C'est vous du quatrième cri! C'est ça, hein? C'est moi, je mets ton code créateur sur Fortnite. Merci infiniment, monsieur Calis. Très gentil. Merci aux personnes qui mettent le code créateur sur Fortnite, les frérots. Hein. Pour ceux qui l'ont pas mis, vous allez sur Fortnite et vous pouvez rentrer le code créateur. C'est KD-8-Vroom-8-Vroom. Voilà, je l'ai mis en commentaire épinglé. Je sais pas s'il y a encore. Mais merci! Merci aux personnes qui le font. Merci aux personnes qui le font, mec. J'ai failli me faire un infarctus tout seul comme un énorme! You fucking done this! You fucking son of a bitch! Rot pas, you bastard, prey! S'il te plaît. Attends un peu. Non. Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god, god, oh my god! Oh my god, I'm gonna fucking die! I'm gonna fucking fuck my own mom, no, for fuck's sake, please! What the f- Rod Bunny, maintenant! Putain, rentre où je t'encule! Ah! Faut que s'y rend pas! S'il te plaît! T'es pas ta salope! Ta maman n'est pas! Non, d'accord! Mais d'autre côté, s'il te plaît! À tous ceux qui ont pas croisé en moi, eh ben c'est normal. Je pète pas bière, ma libellule. Non. Ne pas bouger. Bougez. Oh, c'est pas le bon. Oh, je me suis trompé de putain de son d'alerte. Darkop, Bonnie, rentre pas, s'il te plaît. Ah bah c'est bon, on est large. Nous sommes aussi large que le cul de vos conductrices de fion. Il est devant, hein. Faut que s'y fait contre ta putain génitrice! Maintenant! T'es pas devant la porte, hein? Pas tout à fait! T'es devant la porte, hein? Yo les cocoupotes, est-ce que quelqu'un peut lui mettre 8 heures de ban? Non, je rigole. Oh! Bonnie, rentre pas, s'il te plaît, attends quelques minutes avant de m'enculer ma grand-mère! S'il te plaît! Oh, s'il te plaît, même si Foxy, rentre pas, s'il te plaît! Bonnie, ouvre la porte, putain! Bonnie, ouvre la porte, s'il te plaît! C'est quoi? À l'instant! Non! Oh, il n'y a pas de fer que les Foxy allaient rentrer là-bas. J'ai mis toutes mes chances de mon côté, c'était pas les sens. C'était pas la bonne, j'ai pas envie de recommencer. C'était la 3 de la mañana. Donc, pire que j'ai appuyé sur X comme une merde sans faire exprès. Hello,
Laisse-moi du temps avec mes viewers! Qu'est-ce que tu fais? Tu as cru que tu t'appelais Simon? Je vais aller regarder ma playlist Shazam et je ne parle plus à personne. Je vous mets nuit à la Saint-Symphonie au Requiem! Autant sus des bites! Pourquoi je vois pas mon curseur, bordel d'enculé de sa grand-mère, bordel de fils de pute! Je voyais plus mon curseur, les frérots. Je suis pas au max, pétasse! Ah, ça y est. Putain, je pense qu'ils étaient sous emprise d'infarctus. Ou alors qu'il y avait Michael Afton qui parlait toujours, mais que juste ils ont oublié de spawn en fait. Pardon, Rétus, hein. C'est à peu près 700 fois que je vois ce message en point historique. Je pense qu'il y a un moment où il faut que tu comprennes que c'est marqué dans les règles, le spam égale... Je vais t'enculer. Voilà, globalement. Mais je suis d'accord, on la mettra, mais... C'est vraiment... Je crois que sur l'historique de message, ça fait genre 15 fois que tu mets ce message. Il me semble, hein. Tu me dis, vous regarderez. Je crois que c'est la 15e fois. Il est sur YouTube, bien sûr, monsieur Smicta médicament. Évidemment. Je me concentre un peu, les petits potes. Je rappelle dans le jargon que je suis ce que l'on appelle du jus d'orange. Je suis toujours en quartier. Je suis en déserti. Ah putain d'enculé de ta race. Sois pas devant la putain de porte, s'il te plaît. Il est pas devant la putain de porte, s'il te plaît. Bonjour monsieur, GG Goja, bienvenue à Drue, mon fils. Mais c'est quoi la couronne? Quelle couronne, mon frérot? De quoi tu parles? Ah, la couronne, c'est pour ceux qui ont Prime. Ceux qui ont Prime, ils peuvent sub gratuitement, frérot. Avec leur abonnement Prime. Donc pour ceux qui n'ont Prime, qui n'ont sub à aucune chaîne avec leur Prime, vous pouvez le donner à un streamer que vous appréciez, que ce soit moi ou n'importe quel autre, les frérots, hein, évidemment. Mais sachez que tous les mois, vous pouvez aider financièrement un... Fils de pute, ma lumière. Vous pouvez aider un streamer gratuitement. Ouais, sachez-le. Va niquer ta mère, toi et la roue. Boboum, ça rentre pas maintenant, stop. Foutu, frère. Les gars, si je fais ce move, je me suce. Oh my god! Oh
my god! Oh my god! Oh my putain! Vous savez ce que c'est, ces situations ou pas? C'est celle où tu tiens un enfant, genre. Ah! Oh ah, mais. Mais Diego! Mais tu veux ta petite sucette? Tiens, mon dieu! Oh! 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 Tiens, fils de pute, va enculer, t'auras rien! Attends, pas! Rien faire! Non, pas de rien faire! Le 37, ok,
Ah!
Pause this. Pause this. We have to fucking wait. J'ai mes sexes quand t'es rentré dans la pièce. Qu'est-ce que c'est? J'en veux ta gueule, quoi? Qu'est-ce que ça? Ça va pas? J'ai collé sur une blague. Je te connais, on est dans rien, fils de pute. Dur comme pute. Oh! Oh my god. Oh my god, t'es où? Oh my god. Ah! Ouvre pas. Il est devant, hein? Il est pas devant. C'est très bien! Petit lapin! Oh là là, t'as le même surnom que moi avec toutes les meufs que j'ai eues! Bravo! Non, c'est lui. Oh. C'est une blague. On m'appelle Grosse Bite. On m'appelle le monde de queue. Freddy, rentre pas ou je t'encule! Sors! Sois pas là! Ça va. Faut que je reste tendu. Faut que je m'avachisse dans mon siège, ce que je ne fais pas. No! Hello? Is someone there? Is any... Vous avez le son, vous avez tous les petits potes? Ok. Alors. C'est possible, c'est possible. Oh, c'est possible. C'est possible? Non, c'est possible, guys. C'est possible. Mm-mm-mm-mm-mm.
Au milieu, hein. Oh, con de mime de merde, d'enculé de sa race. Bonnie, rentre maintenant à la compte de ta mère! S'il te plaît. Merci. Oui, j'ai compris, The Last Tool, t'inquiète, j'ai vu. J'ai plus ou moins capté que c'était ça l'état de fait, ouais. Calculé. Oui, tout à fait, monsieur, pas 38. Frérot, ma chaise sentira moi à partir de maintenant. Et sous toute ma vie. Oh, tiens, une ours, hein. Feu de la merde. Faire enculer que tu caches te baise. 1, 2, 3, 4. Faut lui rentrer dessus, s'il te plaît. Pas d'hésitation. Freddy va rentrer. 1, 2, 3. 1, 3.
Hein? Hein? Oh my god, oh my god. C'est vrai, si le 500 subs et une pile dans le sub, vraiment, je ne voudrais pas culpabiliser du fait que tu te ruines. Ça coûte combien 500 subs, les gars? C'est pour... Je sais pas quoi ça coûte, mais ne fais jamais ça. Je sais que 200, 200, 5, je sais que 50 ça coûte 200 déjà. Donc on ne fait pas ça. Surtout jamais, s'il te plaît. 500 subs. 2000, ouais, c'est 2000 balles, hein. En fait, genre, il y a des gens, ils ont vraiment les moyens de claquer ça sur Twitch. Ouais, faut bon, allez les gars, allez, je dois faire 500 subs, allez, c'est bon, ça va. Début 140, 49, comment tu sais, Racimoun, un chiffre aussi précis? Comment sais-tu, comment sais-tu? Va niquer ta mère, toi, par où ? Ah, mais c'est toi. Bah non, Grumpy, non, c'est pas moi, frérot. C'est un autre individu de couleur de bite. Et en plus, j'avais pas vu que tu faisais le même jeu que moi. Du coup, tout seul, je me suis flageolé de plagiat, alors j'en avais aucune putain d'idée. C'est pas vrai, j'en ai eu rien à foutre. Je me suis juste dit que j'allais trade après, mais j'ai vu que t'avais fini ton live. Ça va, mon frérot, c'était bien ton live. Les gars, Grumpy, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un joat. G-O-A-T. Voilà, c'est le Grumpy. Le Grumpy, le seul, l'unique, l'ultime. Le Grumpy, les frères. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Grumpy quand ils parlent de moi. Ils font ah, ta vidéo, tu portes un Grumpy. Hey, tu sais que j'ai vu toi. Et puis, il me répond à Grumpy. Here comes. Va niquer ta mère, toi et la roue. Y'a l'autre putain de mange-merde qui est en train de s'approcher là, ce connard! Putain, mais. C'est comme les ex, il revient toujours! Ce jeu trop simple, zabé, zabé. Ah, trop easy, chaque fois que je te vois, je fais. Ah, t'es trop facile! Merci! Est-ce que tu peux me donner ton petit. Il a vraiment fait. Je m'en faisais chier dessus! Carcamp! Rien à foutre. Monsieur Kazuto, non, putain de merde, Kazuto. Merci infiniment pour ton 9e mois, c'est infiniment gentil, merci. Il va pas rentrer en même temps que l'autre connard, le fils de... Ça peut... Ok, c'est bon, je vais essayer de couvrir. NOO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 
toi bien. Je calcule pas avec les diamètres de la porte, gros. Chaque fois, c'est j'ai un calcul de merde. Chaque fois, j'ai un calcul, mec. Ah, t'as mis ta main, ouais. T'as fait tout ça, c'est mon prénom, ouais. C'est un peu mon prénom, mon nom, c'est un peu d'air. Ouais. Refais un cri. Dépêche-toi. Allez, là. Connasse. Mais crie ! 1, 2, 3, 4, lève-toi ! Va devant la porte ! Tapine ! Ouf, connard ! Okay. Merci ! Ferme ta gueule, y'en a qui dort ! Foxy, ouvre-toi comme le va ta daronne ! Maintenant ! Si tu rentres, je t'encule ! Toi, t'es foutu ! Attention. Ma lumière. Il n'y a plus de Hawkfish. Il n'y est plus ? L'alerte ? Ah merde, j'ai dû l'enlever sans faire exprès avec une fausse manip. J'ai dû faire ce que l'on appelle dans le jargon de la merde. C'est fort possible. C'est vrai, j'ai enlevé le Hawkfish, frérot ? Arrête, frère. Non, c'est pas vrai, frère. Arrête. Il n'y a plus de Hawkfish ? Mais si, il y a le Hawkfish, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? De la chiasse. Bon, ok. Hello? Is someone there? If anyone can... Ok, rupture de stock, oui, ça c'est logique, c'est pour que les gens ne spamment pas, du coup. Forcément. Normalement, il y a un timer, les gars. Ok, les frérots. Qui y croit vraiment, les gars, là, honnêtement? Qui, là, actuellement, est en train d'y croire, mais du plus profond de son âme? Genre, il fait, putain, là, c'est sûr. C'est sûr, c'est la bonne. C'est certain. Moi, oh, c'est vrai, vous êtes trop mignons, les gars. Voilà, vous êtes adorables. Vous êtes vraiment l'incarnation de l'angélisme. Non, ouais, je vais aller un peu dessus, mon cher Ghost, t'inquiète. C'est la dernière run, mais c'est pas grave, t'inquiète. Je rigole, frérot, t'inquiète, je dormais un peu dessus. Il y aura la rediffusion sur YouTube, de toute façon. J'avais 506, il a dit. Bienvenue, monsieur Night Resonance. Bienvenue, monsieur Maxence Solo, bienvenue. Salut, mentalement, t'es plus stable. Bah, alors, est-ce que habituellement, quand je fais des SP sur YouTube, je suis mentalement stable au bout de X retry? Non. Je puise juste ma force dans ma faiblesse. Je suis pas au max, pétasse! Sale grosse pute! Sale pute! Bonjour, monsieur Maxence, bienvenue! Est-ce que quelqu'un possède le nom de la chaîne YouTube Masto? Quelqu'un doit posséder le truc sur Discord, j'avais mis. Et il me semble que tu tapes Masto sur YouTube et tu trouves. Tape Masto vert et tu vas trouver sur YouTube. Masto beige et tu vas trouver sur YouTube. Bonjour monsieur Ice Crystal RP.
Il va pas être devant l'autre connard, hein. Ils vont pas rentrer ensemble, ces deux gros fils d'enculés de leur mère, hein. Ils vont pas faire ça. Rentre. Merci. Connard. LM radio. Rentre. Merci. Merci. Rentre. Allez là. Merci frère. C'est de la merde. Oh!
sors. Rod Bunny! Ça ferait partie des rafaux, je te le demande! Allez là! Rentre ou je t'encule! Rentre! Il va pas rentrer. Oh my god. Foxy va rentrer devant et je vais mourir. Foxy va rentrer en même temps que lui, je vais mourir. Oh my god. Aucune panique. Ah, ceux qui ont pas crevé à moi, qui ont pas cru à moi ou à crevé, t'as à dire, je crois crevé, je crois cru. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, j'avais oublié ça. Rien à foutre, aucune pression! Je suis comme le cul de ta mère! Rien ne me remplit complètement! J'en ai rien à battre! Donne-moi ton œil! T'es au fond! Oh, t'as tellement de points communs avec ta grosse maman! Putain! Pépos, condamine de merde! Non. My god! My god! Le train en ce que l'on appelle en putain de deuxième phase, bordel de merde! Putain de bon dieu! Tire-toi! Oh my god! Freddy? Le rat. Toi. Ah! Connard. Merci. Les musiques sont-elles disponibles sur Audio Mac? Alors, Zing Fox. C'est quoi Audio Mac? C'est quoi ça? Encore, attends, je t'appuie sur Internet. Audio Mac. C'est quoi encore ça? Les gars, pourquoi c'est toujours les plateformes de streaming qui n'existent pas? Non mais, il y a marqué Audio Mac Free Music Sharing and Discovery. C'est... Dis-toi que dès que c'est free, c'est que c'est toi le produit. Non, plus sérieusement, non. Genre, le distributeur par lequel je passe n'a pas ça. Voilà, c'est sur Spotify, YouTube Music, Deezer, c'est vraiment les plateformes les plus connues. On tente une dernière fois. Oh!
mes touches, my god, mec, je suis en azerty. Putain, pitié que ça me tue pas. C'est bon. Putain, my god, je suis en azerty, je commence à appuyer sur Z, ça a rien fait, frérot, chaud. Ah, les closes d'or, on va l'appeler comme ça. Misclic. On rentre s'il te plaît. Ça met du temps à rentrer. Freddy, me fais pas un coup de pute, s'il te plaît. Allez. Merci. Pouf, mais écoute. Pouf. T'es enculé! Passe demain, connard de livreur de merde! C'est quand t'arrives à 5ème Giga Toaster. Quand t'arrives à... Fils d'enculé, j'ai misclic. Quand t'arrives à 5ème, ça te met l'écran en rouge. Et en fait, j'ai l'impression, de mes souvenirs, plus de l'impression que j'ai eu là, en fait, le jeu va plus vite. Le rythme est, si je puis dire, plus effréné. C'est phase 1, c'est d'ailleurs. Phase 2. Je suis en stress, j'en veux plus s'il est en phase 2 ou phase 3. Oh god. En phase 3. Foxy, t'es où?
Oh my god, I have the fucking ultra star, fils de pute! Rentre dans ta pièce, putain de sac à merde! 1, 2, 3. Hop là, ça s'est réglé. Fredou, s'il te plaît. Dans le mega hall. Ouais. Enculé de Chica de sa grand-mère! Oh non. Passe 4. Maintenant. Go! Rentre! Maintenant! Oh my god. Elle est rentrée, les gars. Je crois que Freddy elle est rentrée devant moi et j'ai hésité entre me mettre. J'ai appuyé nerveusement sur l'espace que moi, fils de pute. Non, frère. Je croyais que Freddy allait rentrer en face. Je sais pas si vous avez eu cet instinct là aussi. J'étais sûr que Freddy allait rentrer en face. Putain, mec, c'est fou que je galère autant. Je pense à la fatigue doit jouer, mais frère, c'est incroyable. On s'accroche à des images dans nos têtes. Une embrouille basta, plus rien à faire, t'as rien compris. Ta seule ambition c'est de percer.